Good morning, Alei, Daniel et Tusra aujourd'hui, les Elohimishmat Roset, Zohar Abad Sultana, Maurice Moshe Ben Sultana, Moshe Michel Ben Alini Bachla Rachel, David Van Tvoz Ben Mazel Fritnay, Claude Shlomo Ben Shalom et Lucienne Batraina. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Sota Perek Gimel, Mishnah Gimel, Ad Shelo Nimcheka Hamegila Amra Eini Shota, Megilata Nignezet. ומנחתה מתפזרת על הדשן, ואין מגילתה שירה להשקות בה סוטה אחרת. נמחקה מגילה ואמרה תמאה אני, המים נשפחים ומנחתה מתפזרת על הדשן. נמחקה מגילה ואמרה אין איש אותה, מערערין אותה ומשכין אותה בעל כורחה. עד שלא נמחקה המגילה, tant que la Megillah n'a pas été effacée. Amra Enishota, si elle regarde, elle dit, je ne veux pas boire. Elle dit pas qu'elle elle avoue pas qu'elle a fait comme il écart. Mais elle a dit, j'ai trop peur, je ne veux pas boire, laissez tomber. Dans ce cas-là, Megillata Nignezet, Uminchata Mitpazeret à la Deshen, et la Megillah qu'elle a écrite, on va la mettre à la Gniza, on va l'enterrer dans le Echalev, un endroit spécial où on enterrait là-bas la Megillot qui n'était plus utilisable, et Minchata Mitpazeret à la Deshen. Et sa mincha, elle était éparpillée sur le Beta Deshen, un endroit où on mettait tous les corbanotes psoulimes, on les laissait brûler, on les laissait là-bas disparaître. On va expliquer après plus en détail. D'abord, j'avance un petit peu encore une phrase, et après on explique mieux. Ben Megillata Kshera le Ashkot Basota Acheret. Et sa Megillah qu'on lui a écrit n'est plus apte à être utilisable pour une autre Sota. On explique d'abord de quoi on parle. On est bien sûr dans la discussion, à quel niveau exactement. Le but de notre Mishnah d'abord, on va le dire comme ça, simplement. Le but de notre Mishnah, il est que, comme ça, une femme qu'on a apportée pour au Beit HaMikdash pour la faire boire les eaux de la Sota, alors, elle a deux options devant elle. Soit reconnaître son écart, on va dire trois options. Reconnaître son écart, et puis là, ça y est, c'est tout, on a fini. Elle a trompé. Son mari l'a divorcé, elle ne recevra pas de Ktuba. Ou bien, elle peut dire, non, je n'ai pas fauté, je veux boire les eaux de la Sota. Elle accepte de boire les eaux de la Sota qui vont mettre au clair, éclaircir, est-ce qu'elle a fauté ou pas. D'accord? Il y a par ça une femme un peu intermédiaire qui dit, elle a peur de boire. Alors on va lui dire, bon, t'as peur de boire, ton mari va te divorcer. Elle va dire, moi qui me divorce, mais moi en tout cas, sachez que j'ai pas fauté, mais j'ai pas envie de boire, j'ai envie de boire les eaux de la Sota. Laissons-moi le rituel, qui me donne mon guet, elle n'aura pas de Ktuba. D'accord? Et puis c'est tout, il va la divorcer. Maintenant, il faut savoir qu'une femme qui prétend qu'elle ne veut pas boire les eaux de la Sota, elle ne peut pas le faire, elle ne peut pas prétendre constamment. Tant qu'on a même entamé le procédé, le rituel de la Sota, elle pourra renoncer. Mais il y aura un moment, elle ne pourra plus renoncer. Elle pourra juste avouer qu'elle a fauté, et dans ce cas-là, le mari la divorce en Ktuba, ou si elle ne veut pas avouer, on va la forcer à boire. D'accord? Il y aura un moment spécial. Le principe, il est très simple. Depuis le moment où la Megillah, elle va être effacée. C'est le point dans le temps qui va faire que maintenant, les choses vont changer. À cause de toi, à cause de ton entêtement, on a effacé le Shem Hashem. Ça y est, c'est fini. Tu ne peux plus dire que tu ne vas pas boire. On va la faire boire de force. Si toutefois, elle reconnaît qu'elle a fauté, alors on n'a pas d'intérêt à la faire boire. Parce que le but de la Sota, des eaux de la Sota, ce n'est pas de tuer la femme. Le but de cette eau, elle est tout simplement que la femme, elle nous éclaircisse. Est-ce qu'elle a fauté ou est-ce qu'on va éclaircir avec, est-ce qu'elle a fauté ou pas? Si jamais elle veut reconnaître son tort, alors ça y est, son mari pour la divorcer. Mais tant qu'elle ne reconnaît pas, mais qu'elle dit qu'elle ne veut plus boire, dès qu'on a effacé les eaux de la Sota, elle ne peut plus boire. C'est le principe en deux mots de la Mishnah. Maintenant, la Mishnah va rentrer plus en détail. Qu'est-ce qui se passe si elle a déjà dit qu'elle ne veut plus boire? Qu'est-ce qu'on fait? On a déjà écrit une Megillah de la Sota. On a déjà commencé à faire la Mincha. Ouais? On a déjà fait la mincha, on a déjà apporté le kometz, donc la mincha elle va selon l'avis que d'abord on fait la mincha, puis après on la fait boire, comme Rabbi Shimon de la mincha précédente, d'accord? Donc, ou bien d'après Chamim, a posteriori, comme on avait vu. Donc en fait, on a déjà fait la, maintenant, on a fait la mincha, maintenant, du Kemar Seorim, qu'elle a fait, elle doit être normalement consommée par les Kohanim. En plein milieu, la femme, elle a dit, on a un rituel, il n'y a plus de rituel. La mincha, maintenant, elle est devenue inapte à la consommation. Il faudra être mefazer ota sur le bête des chaînes, l'éparpiller sur le bête des chaînes,
Le Beth Hamikdash, c'était l'endroit où, là-bas, on laissait tous les restes de korbanot qui n'étaient pas sur le Mizbeach. On les faisait brûler. Tous les korbanot qui étaient invalidés, on les faisait brûler là-bas, dans le Beth Hamikdash. Oui. On les laissait, c'est un endroit spécial, on rencontre fréquemment le Beth Hamikdash, d'accord? Tous les restes du Mizbeach, on les apportait au Beth Hamikdash. Les korbanot qui ont été invalidés, on les apporte aussi au Beth Hamikdash. Un endroit où on brûle tout, et tout se réduit en poussière. La paracha de la sota elle-même qu'on a écrit pour elle, alors il faut savoir, cette paracha-là, on ne peut plus la réutiliser pour nul autre. Chaque femme, autant qu'on écrit un guet pour une femme spécifique, qui a marqué avec Katavla, et bien même aussi pour la sota, il y a aussi écrit avec Katavla, qu'il faudra lui écrire, je ne sais plus dans quel terme c'est utilisé, mais en tout cas, c'est expliqué qu'il faut lui écrire spécifiquement une paracha de sota pour cette personne-là, pour cette Rachel Bat Léa. Pour elle spécifiquement, une fois qu'on a écrit pour elle, on ne peut plus l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir gonner Zota. Parce qu'une règle que tout ce qu'on a écrit en tout ktav qu'on a écrit, Shem Hashem, ou de ktav de Torah qu'on a écrit sur un parchemin, qui est plus utilisé, utilisable, et que si on le laisse comme ça, il va se détériorer, et tout ce qu'on laisse, ça se détériore à un moment, alors il faut les apporter à la Gnisa, les enterrer. Et il y avait un endroit à côté du Echal, au Beth Amigdash, sur la bande enterrée des parachutes de la Sota, qui commence à arriver. Ce que la Mishnah elle me dit, je reprends dans les mots, Hachelo Nimcheka Megillah, tant que la Megillah n'a pas été effacée, la Megillah c'est la Megillah de la Sota, ce qu'on a écrit sur le parchemin, eh bien, Amra Enishota, si elle affirme qu'elle ne veut pas boire, Megillah Tanignezet, on va enterrer sa Megillah, et au Minchata Mitpazeret à la Deshen, et sa Mincha, on va l'éparpiller sur le Beth Deshen là-bas, pour la faire brûler aussi, plus sur le Mizbeach. Ven Megillata Kshera Lashkot Basota Acheret. Et sa Megillah n'est plus apte à faire boire une autre sota. Ok? Maintenant, Nimcheka Megillah, si une fois que la Megillah elle était écrite et effacée, Ve'amrat Me'ani, et maintenant elle nous dit, mais je suis impur, j'ai fauté. Alors là, Amaim Nishpachim, on va verser l'eau. C'est pas précisé où on va verser cette eau, parce que sinon on a effacé le Shem Hashem. C'est un peu étonnant pourquoi ça n'a pas été précisé. Mais en tout cas, même on va verser l'eau. J'imagine à la Hama qui avait dans le Beth Amigdash. Et on va verser l'eau. Bon, il n'y a plus d'intérêt à la boire. Là, elle a reconnu son tort. Au Minchata Mitpazeret à la Deshen. Et de même, de nouveau, sa Mincha, on va aussi l'éparpiller sur le Deshen. Ok? Voilà. Plus la, on veut plus. On va arrêter le rituel de la Mincha. Elle est inapte. Et c'est fini. Par contre, Nimchaka à Megillah. Si la Megillah, elle était effacée, on a effacé le parchemin déjà. Vamra Enishona dit non, je veux plus boire. T'as fauté? Non, je dis pas. Si, moi, je pense que je dis que j'ai pas fauté. Mais je veux plus boire. Elle s'entête comme ça. Alors là, on lui dit, écoute-moi, c'est plus possible. Me'ar'erim ota. On va la forcer à boire. Le mot me'ar'erim, ils expliquent ce milachon ar'ar. C'est quelqu'un qu'on le force à faire quelque chose. Il dit ar'ar. Celle-là, ça a été venu. C'est un mot de nomatopée en fait qui a été créé. Les ar'er. C'est-à-dire, donc c'est les RR. Et en maririm ota, c'est qu'on va la forcer à boire, comme ça c'est interprété. Et, ou mashkin ota bal kocha, et on va la faire boire de force. Il rajoute le ramam sur ça, et on va même aussi lui dire quelque chose de très important. On va lui dire, sache ma fille, que les eaux de la sota, c'est comme un médicament violent, ouais, mais sec. Que si tu le mets sur ta peau, ça fait rien à ta peau. Mais si tu as une blessure sur la peau, ça va t'esquinter. Même chose, sache que les eaux de la sota, tu n'as pas à avoir peur de l'eau de la sota. Soit tu as fait quelque chose, ça va la détruire. Mais si elle n'a rien fait, ça ne va rien lui faire, autant que si on met quelque chose de sec sur moi, sur ma main, si j'ai pas de blessure, ça ne va rien faire. Si j'ai une blessure, tu vas mettre quelque chose de sec dessus avec un produit chimique qui va faire, le même principe. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.